J'ai trop peur. Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu sais que moi je suis super courageuse, j'ai peur de rien du tout. Ok, mais attends, est-ce que tu peux m'aider? Attends. J'ai été enfermée avec un loup dans une cage. J'ai peur de rien du tout. J'ai peur de rien. Rien du tout. Rien. Dans n'importe quelle situation, j'ai peur de rien. Est-ce que tu peux m'aider à ne pas avoir peur du tout? Non, je peux pas. J'ai dit la bordure. C'est bon, je m'en fous. Dans mon jardin, j'ai une piscine. Je m'en fous. J'ai deux trampolines. Mon jardin, il est grand. Mais je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, laisse-moi tranquille. Tu m'en fous. J'ai gagné 500 000 euros et même plus. Oh, t'es super maladroit. Il en manque. T'as volé les verres? Mais non, mais c'était moi qui mettais, mais j'ai rien volé. C'est moi qui mettais le truc. Mais non. Il y a 7, avant il y avait 10. Mais non. C'est toi qui vas toujours. Mais non, mais c'est toi. Mais j'ai rien volé. Mais tu vas toujours des choses. Mais je te jure que j'ai rien volé. Mais attends, c'est lui qui casse les verres. Vous n'allez jamais être adopté, vous êtes moche et au lieu. Mais madame, on dort à 18h. Et on est là depuis trop longtemps. Mais oui. On se réveille à 5h30. Et quoi? Mais c'est... vous dormez à minuit, vous regardez à la télé et vous vous réveillez à 13h. On n'arrive pas à dormir à cause de vous. Vous allez rester toute votre vie ici. Vous n'allez pas vous partir, vous allez rester ici. Et en plus, vous mettez la télé à fond, comme ça nous, on ne peut pas dormir. Mais oui. Quoi? Vous m'avez confisqué mon téléphone. C'est ça, non? Tu vas rester toute ta vie, toi, ici, toute ta vie. Moi? Je laisse pas. Les gars, j'ai peur. C'est quoi, toi? Genre, quand elle sort de la classe, on lui vole vraiment toutes ses affaires et tout. En plus, je crois qu'elle a des trophées, non? Bah ouais, deux deuxième places de mini-foot et un de foot, de salle, première place. Mais elle fait du foot, elle? Bah non, mais ses élèves lui offrent. Bon, comment on doit faire là pour prendre ses trophées? Je sais pas, elle va sortir de classe à un moment. À un moment. Quand elle va aller regarder sa télé, c'est sûr. Oui. Et nous, il nous reste le temps. On pourra rentrer, crocheter la serrure, prendre ses affaires. Vous allez faire des conjugaisons? Oui. Pourquoi? Mais. Parce que. Et j'ai pas envie de faire la conjugaison, elle a fait hier. Vous manquez de respect, toi. Désolée, mais je manque pas de respect. S'il vous plaît, madame. Des maths. On l'a fait pour moi, ça y est. Mais c'est tout nouveau. Regardez. Mais c'est normal. Vous avez acheté à nouveau. Vous appelez des tout nouveaux alors c'est déchiré. Mais oui. Regardez. Les intercalaires, comment ils sont pas bien. Ils sont déchirés. Mais oui. Tout est déchiré. Alors, vous ramenez des maths. Oui. Oui.
feuille à faire pendant 30 minutes. Ok, d'accord. C'est pas possible, dans 10 minutes on va dormir. Mais oui, oui, oui. Mais dans 15h30, si vous dormez pas, vous êtes. À 15h30 oui. Il est 16h. Mais demain, vous allez dormir à 15h30. Ok, non, ça va, d'accord. Donnez-moi des photos. Et bientôt, ça sera quoi? Ça sera que demain on va dormir? Oui. Et on se réveille à quelle heure? À 2h. Je vais vraiment pas. Moi aussi. Je vais arquer sur le pont, comme ça elle doit descendre jusqu'en bas pour prendre une autre. On n'avait pas à projeter la serrure. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses pas? On va s'enfuir un jour. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ils vont manger quoi, là? Manger. Je sais pas. Ouais. De toute façon, c'est toujours mieux quand la maison correction. Ouais. Tout est fait, c'est ta faute. C'est ta faute. Non, mais c'est la tienne. Mais si, c'est toi. Mais non, mais c'est toi. On doit sortir de cette heure folle. Oui, j'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. Tout le monde nous pousse. On joue juste ensemble. Il y avait quelqu'un qui m'avait poussé. Et donc, je suis tombée dans la terre. Et donc, j'en ai marre. J'aimerais tellement sortir de cette heure folle. Non, ils sont tous méchants, en fait. Ils savent le même caractère. On va sortir. Et donc, toi, Léona, tu vas aller prendre la clé. C'est ma dernière directrice. Tu vas prendre la clé. Et on va sortir. Oui. Et donc, là-bas, il y a des outils pour frapper. Et donc, quand il y aura les secondaires là-bas, on va les frapper. Et quand on va voir. Ouais, et la directrice, elle va vous voir. Et punition. Ben non. Mais non. Parce qu'elle sera endormie. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Bah, oh, j'ai une idée. On a, vous connaissez, il y a des petites pastilles où ça endorme les gens. Ah oui, ça, tu connais? Oui. Donc, on va prendre une pastille, on va mettre dans la bouteille de la directrice. Et quand elle va le boire, après, elle va s'endormir. Et donc, voilà. Dans une heure. Et donc, après. Comment on va, si on sort, on n'aura même pas de parents, comment on va faire? Mais moi j'ai des sous. Et on pourrait peut-être. Ah non, j'ai ma tirelire. Ça fait un an que j'économise. Mm-hmm. Et on n'aura qu'à partir quelque part et oui, on pourrait aller dans un hôtel. Voilà. Acheter des habits parce que ça fait déjà 12 ans qu'on a les mêmes habits. 12 ans? Ouais, mais non. Bah si. 2 ans. 12 ans. 2 ans. 12 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? On a à peine 10 ans. Bah oui, Luna, ça fait 12 ans qu'on est dans cette orphelinat. Oui. Mais voilà, toi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah oui, en fait, c'est que ça passe vite.
Tiens, tiens, prends. Qu'est-ce que vous faites là? Donnez-moi les clés. C'est très grave ce que vous avez fait. Vous avez volé mes clés. Et comment ça se fait que vous êtes ici? Vous allez avoir une punition, 2 heures d'école. Et vous allez nettoyer les chewing-gums et la cour de récréation. Ça vous apprendra. Faut réfléchir avant d'agir. Hein. Et la prochaine fois, faut réfléchir avant d'agir. Et la regarde pas comme ça. Elle m'a tout dit. Elle m'a dit la vérité. Vous êtes des menteuses. Et toi? Hein? Oui, monsieur, il y a quoi? Comment cette boîte pour 500 millions d'euros? Monsieur, déjà? C'est le roi de Maroc, hein. Ah oui? Oui. Mais c'est extraordinaire. Ça, c'est du rubis. Ils ont trouvé ça dans le château. Il y a même des paillettes diamantées. Oh! Il y a même des rubis. Des billes? Paillettes. Paillettes qui sont rubis et même des émeraudes qui sont rubis. Monsieur, ça coûte 5 on dit émeraude si vous voulez savoir, mais je veux bien vous l'acheter. Donne-moi l'argent. Voilà, tenez monsieur. Je suis en train d'arnaquer là. 5%. Ok. 5%. Signature. Voilà. Merci monsieur, au revoir. Ah oui. Le mec il m'a arnaqué. Salut. Salut. Ça va? Oui, bien, et toi? Je n'ai marre de ces filles. Elles font trop leur maline. Tout d'abord, il y a Sarah qui fait trop la chef et tout. Il y a Stone qui fait trop, qu'elle est riche et tout. Il y a Malak qu'elle veut tout le temps et qu'elle drague tous les garçons. Tu dis rien en fait. Mais oui, je m'en fiche de ce que tu toi dis. Toi aussi, tu dis rien en fait. Non. On s'en fiche là. Non, mais je m'en fiche. Moi. Comment ça? On s'en fiche. Si toi, tu vas venir chez moi et tu vas me dire « Non, mais il y a un problème, moi aussi, je vais t'écouter et je vais parler. » Hein. Rien fait, moi. Rien. Regarde, on s'en fiche de toi et les filles et je sais pas quoi. Attendez. Tu parles trop. Regardez, j'ai trouvé quoi? Je crois que c'est une boîte. Tu peux voir? Non. Je peux lui donner à lui, mais pas à toi. Quoi? Parce que tu voles. C'est vrai, il j'ai jamais volé. Non. Voilà. C'est une fois. Oui, mais. En plus, c'est une banane. Passe. Non. Je vais prendre une seconde et je vais te remettre. T'es sûr? Ouais. Mais c'est bon. Mais tu fais quoi? Attends, il faut dans une poche. Mais c'est pas bien de voler, je te l'avais dit. Qu'elle allait voler. Je vais appeler madame. Aïe. Voilà, j'ai appelé madame, elle arrive. Bien fait pour toi. Ouais, bien fait. Viens, on va appeler à monsieur Mickaël. C'est bon. C'était pour rigoler. Non, c'était pas pour rigoler. C'était pour rigoler.
Pourquoi tu arnaques les gens? T'es riche. Mais arrête de me pousser, toi. Mais tu dois partager avec les gens. Mais c'est mon argent, pourquoi je partagerais? Bah, mais tu as beaucoup. C'est que des centimes, hein. Et laisse-moi tranquille, j'étais en train de compter mes pièces. Il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres. Et j'en fais partie, hein, moi aussi. Bah non, regarde, combien d'argent tu as? C'est que des centimes, et laisse-moi tranquille, j'étais en train de compter mes pièces calmement. Mais tu dois partager avec les autres. Mais c'est pas toi qui m'as décidé ce que je vais faire quand même, hein. Et c'est mon argent, hein. Anna, il me manquerait juste un tout petit peu de gel et c'est bon. En plus, je dois aller chez le coiffeur après. Je vais mettre un peu de gel, je vais aller faire ma petite tournée. Et c'est bon, hein. On arrange les petits cheveux qui volent. Vas-y, tu Mais c'est mon argent, c'est pas toi qui décides. Et arrête de me taper, tu m'as fait très mal, hein. Et on se connaît, non? Arrête de parler avec moi et laisse-moi compter calmement mes pièces. J'étais super tranquille, hein, quand t'étais pas là. Alors maintenant, tu pourrais me laisser un peu avec mes pièces pour les compter? Bah mais tu es riche, il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres. J'en fais partie, hein, et je suis pas riche, hein. Ça, je peux te dire que c'est le minimum. Alors là, arrête de me donner des ordres, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mais j'ai envie de rester un peu avec mon argent, hein. Mais arrêtez de vous disputez tout le temps pour rien. En plus, pourquoi t'as des faux billets? T'es en train de mentir à tout le monde, tiens. Hé, voilà, lâche mes pièces. C'est pas tes affaires, ça. Ah, c'est bon là. Je vais aller faire ma petite tournée à Hollywood. En plus, mes fans m'attendent. Ah, des petits cheveux qui volent par-ci par-là. Oh non. Faut du gel. J'ai pas pris de gel, c'est vrai. Attendez, des petits cheveux qui volent ici. Le gel, franchement, il m'énerve. Là, il y a mes fans qui m'attendent en plus. Ah, mais je sais. Je vais aller demander à l'autre ador de son mal. Mais arrête de faire ça! Mais je vais nettoyer! Bah c'est bien fait. Ah! Oh, plus! Tiens! Hé! Tu dis mal, j'ai un service à te demander. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, tiens! Je pourrais avoir quelques pièces. Arrête-toi! Je pourrais avoir quelques pièces, je dois m'acheter du gel. Eh ben là, tu peux rêver, hein. Ben jamais de la vie, hein. Comment ça, t'es riche? Attends! Mais je me prends des petits euros, je dois m'acheter un gel là. Ben non! J'avais oublié que c'était radin.